Mesdames, Messieurs, car et compagnie, nous vous proposons de résister et de construire, à vous qui ne vous résignez pas, à vous qui croyez qu'ensemble on peut faire bouger les choses, résister à l'accord social et au recul démocratique, construire en plaçant l'humain d'abord, primait, vos vies avant les intérêts de la finance et des spéculateurs de toutes sortes. Le 6 décembre, exprimez-vous. S'abstenir, ce sera un cadeau à ceux qui veulent vous faire taire. Votez, votez front de gauche pour affirmer votre volonté d'une autre politique pour le pays, de nouveaux moyens pour la collectivité, pour le progrès social et écologique, pour une société fraternelle. Transformez votre colère en force d'espoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le constat actuel commande de placer la santé au premier rang de toutes les politiques publiques. L'austérité entraîne les conséquences sanitaires que l'on constate en Corse des restrictions budgétaires, des suppressions de lits, des déserts médicaux. Les élus du front de gauche s'investissent totalement dans ce domaine qui est pour l'essentiel une affaire d'État. La santé, c'est l'ensemble du champ médico social, de la prise en charge des handicaps, de la dépendance et de la prévention. En Corse, les retards, les besoins sont importants. Ces élus ont obtenu des mesures pour l'accompagnement des enfants hospitalisés sur le continent, pour réduire les déserts médicaux, pour la création des maisons de santé, pour doter de moyens la formation. L'action de notre groupe a permis d'assurer la gratuité des formations d'aides soignantes et d'auxiliaires puéricultrices. Il a le plus contribué à l'élaboration du projet régional de santé. Pour aller plus loin, la finalisation du projet régional exige des moyens financiers supplémentaires. Notre proposition. Obtenir une dotation spécifique de l'État pour le réaliser et mettre à niveau toutes les structures hospitalières de Corse. La géographie, l'insularité, le relief montagneux et l'isolement qu'ils entraînent justifient ce programme exceptionnel d'investissement, ce PUI Santé. Cette proposition s'impose car la mise en place de la collectivité unique aura des conséquences sur l'offre de soins. C'est pourquoi nous exigeons dans l'immédiat le maintien des deux SAMU, le maintien des deux avions sanitaires, le maintien des deux pôles de santé d'Ajaccio et la modernisation de l'hôpital de Bastia. Nous agirons pour un véritable maillage territorial, incluant les hôpitaux locaux et une structure adaptée pour la plaine orientale. Rien ne vient sans lutte la santé concerne chacun d'entre nous. Nous devons nous mobiliser. Vous pouvez compter sur notre engagement total dans cette cause d'intérêt général. Je suis conseillère municipale de la commune d'Alate. Je ne suis pas une militante politique, je suis une syndicaliste avant tout. Je suis confrontée à travers mes responsabilités publiques aux difficultés que rencontrent nos concitoyens et je m'inquiète du développement des inégalités sociales dans l'accès et l'utilisation des services de santé. Le renoncement aux soins pour des raisons financières s'aggrave tous les jours. L'augmentation du coût de l'hébergement pèse de plus en plus lourd sur le budget des familles quand celles-ci n'ont pas recours à l'aide sociale. Pour celles ayant à leur charge un parent vieillissant, malade ou en fin de vie, c'est le parcours du combattant. Combien de salariés sont partis à la retraite avec moins de 1 euros par mois après plus de 40 ans d'un travail difficile? Combien de jeunes recrutés sur des contrats précaires ne peuvent accéder à un logement? Mais cette triste réalité, vous la connaissez tous. Mon engagement a toujours été la défense de l'offre de soins publics sur notre territoire et l'accès aux soins pour tous. L'actualité la plus récente nous rappelle les déficits des hôpitaux de Corse, et en particulier de l'hôpital d'Ajaccio, vingt sept millions d'euros de déficit annuel et cent millions de déficit cumulé. Cette situation gravissime n'est pas le fait du hasard elle est la conséquence directe de la politique des gouvernements successifs qui imposent une cure d'austérité insupportable à l'hôpital public. Face à ce constat alarmant, les luttes syndicales restent indispensables car elles sont nécessaires à la proximité et à la solidarité. Elles peuvent limiter la casse, mais elles ne sont pas suffisantes. Les vraies solutions sont politiques. Mon expérience syndicale de vingt cinq ans et les valeurs que je défends m'ont conduite à rejoindre la liste du Front de gauche. D'autres syndicalistes ont fait comme moi, car c'est la seule liste qui s'engage contre l'austérité, c'est la seule qui ouvre une perspective aux luttes sociales, c'est la seule qui place au cœur de la politique l'humain d'abord. Madame, Monsieur, Josette vient d'exprimer le travail accompli par notre groupe pendant cinq ans. Nanette vous a précisé encore pourquoi l'austérité faisait des ravages et pourquoi il fallait la combattre. Chacun à gauche le reconnaît notre groupe a été utile et efficace durant cinq ans à l'Assemblée de Corse. Nous le serons encore plus dans la mise en place de la collectivité unique qui risque d'aggraver les difficultés sociales de nos concitoyens. Tous les jours, la propagande ultralibérale martèle qu'il faut faire des économies, c'est à dire des sacrifices. Nous refusons l'austérité à perpétuité, cette austérité qui accable les plus faibles et qui ne règle aucun problème. Nous voulons affirmer notre fidélité à la gauche combattante. Nous le disons très clairement notre gauche, c'est la gauche des grandes conquêtes sociales, c'est la gauche des grandes avancées démocratiques, c'est la gauche de l'écologie sociale. C'est cette force qu'il faut reconstruire dans tout le pays. Pour être utile à la Corse, nous avons besoin d'un groupe politique clairement identifié et fier de continuer ce combat. Dites le avec le Front de gauche, participez à notre combat. Avec Josette et avec Nanette et tous nos colistiers, nous vous le demandons pas de dispersion. Réfléchissez et votez. Mes chers compatriotes, la France est en deuil. Député de la Nation au Congrès comme à l'Assemblée, je soutiens l'action de la République contre ses ennemis. La Corse et son peuple sont solidaires, parce que bien sûr nous sommes français, mais aussi parce que nous avons payé le prix de la violence au cours des dernières années, avec son cortège de pleurs et de larmes. Depuis 2010, le dialogue démocratique initié par notre exécutif a contribué à la fin de la violence politique. Nous soutenons aussi l'action du gouvernement et de la justice pour mettre fin à la violence criminelle et crapuleuse qui n'a pas sa place dans la Corse de demain que nous voulons. Le dialogue démocratique nous donne entre autres la collectivité unique qui rendra dans deux ans nos institutions plus efficaces. La Corse doit encore trouver sa place dans la constitution de la République pour adapter notre fiscalité, sauver notre langue, protéger notre terre. Mais au-delà de ces acquis et perspectives politiques, nous avons travaillé d'arrache-pied et obtenu des résultats décisifs pour faire avancer la Corse au quotidien. Maria Dujidjé. Nous ne faisons aucune promesse, mais notre ambition est de répondre demain encore mieux aux attentes quotidiennes des Corses. En effet, depuis 2010, nous avons travaillé et notre action nous a permis d'obtenir des moyens jusqu'ici inédits. Aussi, nous le disons, les acquidières sont les emplois de demain, les acquidières sont aussi la garantie d'un logement pour tous. Alors aujourd'hui, le PADUC, nous l'avons, il nous engage pour les trente prochaines années sur la voie d'un véritable développement économique, social et culturel. Aujourd'hui, pour la première fois, nous disposons d'un plan pour la transition énergétique doté de 3 milliards d'euros. Cela signifie des centrales thermiques qui fonctionneront au gaz. Cela signifie le développement des énergies renouvelables avec un grand plan de réhabilitation des bâtiments et à la clé des formations adaptées pour la création de 4000 emplois pérennes. Cette démarche résolue en direction de l'emploi privé se fera dans le cadre de contrats d'économie productive, qui se déclineront d'ailleurs dans tous les secteurs d'activité et s'adresseront à tous les acteurs économiques qu'ils soient artisans ou commerçants, entreprises du btp, industriels, professionnels du tourisme, actifs agricoles ou encore acteurs associatifs. Enfin, nous avons initié et mené une vraie politique du logement et nous avons engagé des moyens jusque là inégalés. Nous avons innové en créant une aide à l'accession à la propriété pour les ménages les plus modestes. Cette mesure a déjà permis à plus d'un millier de jeunes corses d'acquérir leur premier logement. Nous avons créé notre office foncier de Corse doté de moyens exceptionnels et qui nous permettra de favoriser la construction. Chaque année, pendant dix ans, de 2100 logements dont 600 logements sociaux. L'office foncier de Corse est un véritable bouclier antispéculatif qui fera diminuer les prix des logements. Aussi, nous ne formulons pas de promesses, mais nous continuerons d'agir résolument afin de poursuivre cet effort massif en faveur du logement, de l'emploi et du développement dans notre île. Paul-Marie. Les transports constituent une priorité, tant au sein de notre île qu'en direction de l'extérieur. Depuis cinq ans, nous avons amélioré le réseau ferroviaire. Les trains sont désormais fiables avec une qualité de service réelle. Rappelons-nous ce système de freinage qui n'est plus qu'un mauvais souvenir. La fréquentation dans le périurbain est en hausse constante. Un programme d'investissement de 140 millions d'euros a été voté pour l'amélioration des voies et de la sécurité, notamment la conduite centralisée de la voie unique. Le réseau routier connaît aussi de nombreuses améliorations sur les grands axes. Les travaux en cours en témoignent. Un schéma directeur d'investissement cohérent et rationnel a été adopté et assure le maillage du territoire. Depuis 2010, 240 millions d'euros ont été investis sur le réseau routier. Au niveau des ports et des aéroports, cent vingt cinq millions d'euros ont été dépensés par la collectivité pour améliorer ces infrastructures. Le secteur aérien fait l'objet de nouvelles délégations de services publics qui adaptent mieux la desserte aux besoins des usagers. Les tarifs sont contenus et même réduits. Nous avons instauré un tarif résident sous conditions attractives. De plus, la compensation sur Paris est en moyenne de trente cinq millions d'euros par an. La collectivité maîtrise les dépenses liées à cette desserte et se concentre sur le bord à bord. Dans le secteur maritime, le nouveau dispositif de desserte est élaboré en étroite liaison avec la Commission européenne pour éviter tout risque de contentieux. Une consultation des acteurs locaux est ainsi organisée jusqu'au 15 décembre. Nous attendons l'issue des réflexions du tribunal de commerce de Marseille pour connaître l'avenir de la SNCM. Dans ce cadre aussi, la CTC entend maîtriser le montant de la compensation financière. Enfin, les relations maritimes Corse Sardaigne, Bonifacio Santa Teresa et Propriano Porto Torres seront pérennisées. Nous avons agi pendant que d'autres parlaient. Avec votre confiance renouvelée, nous souhaitons poursuivre au service exclusif de l'intérêt général et de la Corse. Merci, Maria, merci, Paul Marie. Voici une partie seulement du travail que vous avez accompli. Nous avons aussi obtenu de l'État et de l'Europe les moyens financiers du développement de la Corse le programme exceptionnel d'investissement, le contrat de plan État région, les fonds européens, la programmation pluriannuelle de l'énergie vous avez le choix dans cette élection. Voulez vous choisir des chevaux de retour qui prétendent réussir en deux ans là où ils ont toujours échoué pendant vingt ans? Préférez vous des chevaux légers qui vous promettent des lendemains, qui chantent et qui n'ont ni référence ni projet réaliste? Notre Rassemblement, représenté ici, par vous, Maria, par toi, Paul-Marie, et celui de ceux qui travaillent dans la responsabilité comme des bêtes de somme. Vous nous avez vus à l'ouvrage, vous connaissez nos résultats et nos acquis, vous savez que vous pouvez nous faire confiance. Mesdames, Messieurs, les 6 et 13 décembre prochains, vous allez vous prononcer pour élire les futurs membres de l'Assemblée de Corse. Cette mandature, qui doit durer deux ans, peut paraître courte et donc sans enjeu. Il n'en est rien. Ce sera la mandature de la mise en place de la collectivité unique, lieu de concentration de moyens financiers et humains sans précédent. Parce que ces enjeux sont fondamentaux, avec Vanina Pierre, François Tiber, Marie-Hélène Padovagne, Jean-Louis Loutchane et tous ceux qui ont répondu favorablement à notre appel, c'est en femmes et en hommes libres que nous nous présentons devant vous. Notre liste, la Corse à cœur, est composée d'hommes et de femmes qui ont l'ambition collective d'incarner une autre manière de faire de la politique. Parce que nous considérons que la politique n'est pas un métier mais un engagement, nous voulons défendre la Corse qui entreprend et qui travaille en proposant un guichet unique pour accompagner les chefs d'entreprise qui veulent créer ou diversifier leur activité. Notre démarche repose sur une profonde rupture des idées et des pratiques politiques autour de trois valeurs fondatrices l'éthique, la solidarité et le développement. Parce que nous n'avons pas voulu partager et cautionner certains comportements, nous avons pris nos distances avec ceux qui tentent aujourd'hui de les généraliser. Parce que nous sommes attachés aux services publics, nous voulons une politique ambitieuse capable de garantir à chacun un accès à l'emploi, au logement et à la santé. En favorisant l'accession à la propriété par la mise à disposition de fonciers à un prix raisonnable ou encore en dotant enfin la Corse d'un centre hospitalier universitaire à l'instar de toutes les autres régions françaises. Nous voulons aussi mobiliser les énergies, les envies dont nos territoires sont riches. Pour les mettre en mouvement et les accompagner sur la voie du développement économique. Nous voulons libérer les différentes administrations territoriales pour qu'elles puissent travailler à la mise en œuvre des politiques publiques sans être bridées, asservies ou humiliées. Parce que nous sommes conscients que notre patrimoine naturel appartient aux futures générations et qu'il est notre bien le plus précieux, nous nous fixons l'objectif de zéro déchet à l'horizon 2025, en concentrant notre action sur les méthodes de tri et en favorisant les filières de valorisation. Parce que nous portons l'ambition d'une Corse ouverte sur la Méditerranée, nous voulons des transports performants qui rendent notre île accessible toute l'année, en créant une continuité territoriale maritime avec la Sardaigne et l'Italie et en ouvrant des lignes aériennes avec les grandes capitales européennes. Une fois aux responsabilités, nous nous engageons à une très grande justice et une très grande rigueur dans la répartition des subventions publiques, dans l'accès à l'emploi public, dans les choix territoriaux de l'investissement public. Le 6 décembre prochain, vous devez faire un choix entre des conceptions radicalement différentes de l'engagement dans la vie publique. Tous les jours, nous avons des exemples de régression de nos libertés. Donnez-nous la force de nous battre pour vous et contre ceux qui n'ont de cesse de faire progresser les injustices et les inégalités. Les 6 et 13 décembre prochains, votez la liste La Corse à cœur.